C'est une équipe de trois experts qui rencontrent Marie-Pierre Studer dans le jardin de sa pension. Ils sont là pour une évaluation de ce qui pourrait être fait sur une parcelle de ce terrain, pour améliorer la biodiversité. C'est un des services proposés par le parc Chasseral. C'est la biodiversité, c'est des petites mesures, on parle toujours bien de petites mesures. On sait que les grands enjeux, c'est peut-être pas simplement chez les privés, c'est l'agriculture, il y a l'industrie. Mais le but, c'est quand même de montrer que par des toutes petites actions, chacun peut intervenir à ce niveau-là. L'enjeu est de proposer des mesures qui ne coûtent pas trop cher et qui demandent. Après la première évaluation, plusieurs idées ont germé. On pourrait laisser 2-3 bandes herbeuses et faucher le reste. On pourrait aussi penser à laisser paître des moutons sur une partie. Donc nous avons une voisine qui a des moutons, on pourrait lui proposer de mettre ses moutons chez nous un petit moment pour une partie. Ou alors de faire des tas de cailloux pour laisser aussi aux animaux une possibilité de refuge. Enfin, il y a différentes possibilités. Les travaux d'aménagement ne sont pas prévus pour le jour même, mais un intrus n'a pas échappé à l'œil des experts. C'est un solidage. Seul problème, il est invasif. Alors cette plante, elle figure sur la liste, ce qu'on appelle la liste noire des plantes invasives en Suisse. Elle est très, très, très envahissante dans les jardins, on la voit, on la rencontre à peu près partout. Puis on s'est aperçu en se promenant dans le jardin qu'il y en avait quelques-unes qui étaient prêtes à faire de la graine, donc de se ressemer dans le jardin. Et puis on s'est dit que c'était exactement le moment maintenant d'arracher cette plante. Si le jardin de Marie-Pierre Studer était déjà très bien aménagé pour la nature, son envie d'avoir une parcelle pour la biodiversité a un autre objectif. Ça permet à notre clientèle de se dire « Ah ben tiens, j'ai peut-être un moins grand jardin, mais je pourrais aussi peut-être laisser une bande herbeuse, je pourrais mettre un hôtel à insectes, ou ah ben tiens, 2-3 cailloux, ou voilà. » Ça peut donner des idées. Après cette première rencontre, un bilan et dossier va être monté. Et après les premiers travaux, il faudra attendre la fin de l'hiver pour voir les résultats.